Bonjour Frem, bonjour Sem, combattant pour le ciel, moi yo, Frem avec Sem yo, comment nous y avec Jésus? Comment nous y avec Jésus? Matin, c'est un plaisir énorme pour nous capables là, pour nous capables d'étudier le son et qu'au sabbat. Assurément, t'es dormi bien ou levé bien, bon Dieu, fais grâce que non, bon Dieu, capable béni. Frère Théodore Riel, il est en prêt pour les capables d'étudier le son, je dis en pour une très belle leçon que nous avons étudiée. Mais avant que nous entrions dans le soir, nous demandons pour capable toujours partager les avec frère, avec soeur, pendant que vous aidez encore dans la foi avancer. Donc, à nous fermer les genoux pour nous capables de prier. Oh mon Dieu, je cherche ta face au clarté de l'aube du jour. Je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Merci, Tadre Père, parce qu'on peut maintenant dormir, on peut maintenant lever. Et merci, Seigneur, pour le son, on va le permettre que nous étudions ensemble. Pendant que Seigneur n'a besoin merci pour grand jour ça, je dis à qui est dans la vie nous, qui a permis que nous fêtions 12 ans mariage. Merci Seigneur, c'est grâce à vous-même. Que volonté, que puissance, soit toujours accompagnée, famille, moi surtout. Et bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous, au nom de Jésus. Amen. Oui, je dis à femme, dit-elle, une bonne fête parce que. 12 ans mariage, c'est pas petit bagage petit. Donc Dieu nous fait grâce. Donc nous dit bon Dieu, merci pour ces 12 ans accomplis dans notre vie. Donc le psaume matin, gagne pour titre pour un temps comme celui-ci. Mais avant, pas oublier que semaine ça, n'a pas étudié le psaume Esther et Mardoché, verset à mémoriser qui dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Et je dis à ces mercredis, dimanche-là, ensemble, nous étions captifs dans une culture étrangère. Lundi, devant un tribunal étranger. Et hier, mardi, nous étions le témoignage fidèle de Mardoché. Et je dis à nous parler pour un temps comme celui-ci. Et demandez-nous pour nous capables de lire Esther chapitre 4, verset 1 à 4. Pourquoi Esther avait-elle jugé approprié de s'identifier comme juive en ce moment précis? Pour ça, c'est le ça. Dans le moment ça, Esther était ciblée par identité. Nous allons lire tout ce chapitre là. Ok? Mardoché, après tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa de sacs. Et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les serviteurs d'Esther et les seize eunuques virent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée, envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepte pas. Alors Esther appela Hanan, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était et d'où cela venait. Hanan se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi. En retour du massacre des Juifs, il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vertu de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout
connaître. Et il donna qu'Esther se rende et chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Hanan vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hanan d'aller dire à Mardoché, toutes les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une foi, une loi portant plainte de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi de la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis des jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché lui fit répondre, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Malheureusement, me dit que m'a appelé tout texte ça, mais si on texte me si tellement mais qui est tellement intéressant, m'oblige à lire tout pour nous. Eh bien, Mardoché lui-même était contacté Esther pour loi ça que Haman t'est passé pour lui tuer toute juif yo. Et Mardoché lui-même l'était contacté Esther pour ça. Premier ça Esther fait le voyage pour lui. Non, situation donnée, c'est pas rad Mardoché besoin. C'est pas rad. Il te voyage pour Mardoché changer sac là un pour mettre rad sous lui. C'est pas ça le besoin. C'est la délivrance de Dieu. Gen kote ou rive nan sityasyon ye, se chèche pou chèche priye. Se pa manje ou bezwen, se pa rad, se pa la jan. Se priye pou priye pou bon Dieu ka di pi go dosye a pou. Donk, e Mardoché di li pa bezwen. Alors, Esther vwe di a Mardoché, men ou a, e pa tout lokal la ka li, depi l pare lo ou vini la ptuyo, Mardoché di la. Li fè Esther konen fwa li. Li fè Esther konen ki es liye. Li fè Esther rappele ke nou le juif, se avèk la priyèr nou fonksyone. Donk m'invite ou li di, si jodi ou fè men bouchou, ou pa vle pale pou nou, delivrans nou ap vini kan men. Donk, e li te basè pa ma Esther, se pa ke li pat konen ke bon Dieu pa ka delivre li. Li konnen men te fol mete Esther au courant tout puisque Esther pi près mais si Esther pas capable bon Dieu a délivré d'une manière ou d'une autre c'était sa foi et Esther et de son côté il dit Esther qui ça dit c'est pas pour un jour c'est pas pour un petit temps là et bien là Esther te vient reconnaître foi li te reconnaître qui est li et bien entend ça li pas caché identité li te prier te mandé peuple là pour te faire 3 jours la prière sans ou pas manger. C'est un petit loup pour kababoué. 3 jours la prière. Côté que tu as prié, tu as intercédé. Et après ces 3 jours, Esther te débarqué Kaiwa. Et là que l'arrivé Kaiwa, ou a te chita nan pot rentré, elle a regardé loi Esther. Selon loi qui te dit que depuis que ou a venu Kaiwa, ou a pas accepté, ou li pas allongé. Vierge là pour où? Eh bien, ou a mouri. Eh bien, là, il paraît que Esther, il est longé et c'est plein pour lui. Esther touché, ça veut dire ou a c'est tout capable d'entrer. Mais c'est après 3 jours la prière. Esther, il n'y a pas de prendre décision pour lever à Kaiwa comme ça, elle dit des nouvelles là. Mais décision Esther te prend, c'est la prière. Et peuple juif là, lui-même, non seulement te croit dans la prière, je te crois dans des jeunes parce que pas oublier que la Bible dit il y a des situations il y a des moments c'est pas seulement la prière qui a résoudre et lit mais faut faire des jeunes et des vies de prière parce que gon dossier ou ensemble avec tandis que les nécessités
pile la prière, jeûne même, veille de prière. Donc, ça, la destruction du peuple de Ju des Ju juifs, était nécessité en pile prière. Et si le peuple a prié, et c'était en tant que reine de prier, et ils ont été joints délivrance. Et l'Esther, t'es venu m'aider chez l'Esther, encore une fois, l'Esther pas caché. Il t'a tout dit, mais qui est lié? Mardochée fait éprouver, dit mais qui est souillé, mais qui est souillé. Eh bien, Esther lui-même qui vient reconnaître foi dans bon Dieu, lui-même lui prier. Et après la prière, lui avancer au nom de Jésus de Nazareth. Donc, Esther préparait lui pour un moment qui était dangereux. Lui connaît, lui capable de mourir parce que si on n'a pas accepté, lui capable de mourir. Mais après la prière, il dit bon Dieu par contre qui te monte. Et bon Dieu par qui te monte. Eh bien, moi-même ensemble avec vous, nous avons encore, nous-mêmes qui découragés, décontrôlés, pour nous faire expérience à bon Dieu. Des moments de prière. Faire expérience à bon Dieu. Et bon Dieu par qui te monte. Donc le sort que nous avons étudié, c'est pour un temps comme celui-ci. Donc, Esther lui-même, l'été jeune vous était présenté là, il pas caché d'identité, il fait tout ça qui est en dévoilé pour l'été paraître que toi et vous-même. C'est le moment pour l'approprier, pour le faire connaître qui est ce bon Dieu là. Eh bien, que bon Dieu capable de bénir. Nous sommes contents pour étudier avant, on nous ferme les yeux pour nous capables de prier. Notre Père des cieux, merci, mille merci pour ce que vous faites pour nous et pour ce que vous continuez à faire pour nous. En pile fois, nous cachons l'identité nous pour plat manger. Nous cachons l'identité nous pour un job. Nous cachons l'identité nous pour un voyage. Seigneur éternel, s'il te plaît, fais-nous grâce. Pas quitter nous cacher l'identité nous. Parce que au plus fort, vous habituez à faire bon bagaille et vous continuez à faire bon bagaille. Permettez que nous préparions et avancer au nom de Jésus de Nazareth. Nous croyons que nous ne pouvons pas quitter nous seuls. Merci pour bonne leçon sur ce devoir pour nous. Que nous sommes capables de bénir. Et permettre que nous mettions en pratique. Dans le nom de Jésus, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Nous prions. Amen. Frère Théodore, tu es content pour l'étudier ensemble avant le matin. Que bon Dieu capable de bénir. Que bon Dieu capable de faire grâce. Que journée capable de bon pour vous. Bonne journée dans le Seigneur.